Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est la vidéo avant la dernière, avant de compléter cette formation sur euh, Bootstrap 4, euh, uniquement avec Bootstrap 4. Vous, comme vous l'avez remarqué, nous allons utiliser très 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 peu de CSS. C'est une utilisation très négligeable. Et dans cette, cette vidéo-là, on va développer la partie euh, contact, un formulaire pour pouvoir envoyer vos mails par la suite. Très simple. Donc on va revenir euh, à visualiser le code comme d'habitude, les commentaires pour faciliter la lecture de votre code et la balise section avec un padding de 5 pixels sur les 4 côtes Et par la suite, on div avec la classe container fluid et à l'intérieur nous allons intégrer la partie titre. La première ligne qui contient le titre avec un petit sous-titre de chaque section. Donc ici, contact. J'enregistre. Et voilà, comme vous voyez, nous avons cette partie-là. Je vais changer la couleur d'arrière-plan. Background, là une couleur grise très claire pourquoi c'est juste pour différencier ces deux parties là, la partie euh, progress et la partie contact. maintenant, qu'est-ce que je vais faire? je vais intégrer notre formulaire. je vais créer une première, une deuxième ligne, pardon. row et je, vais, et je veux aussi comment que le contenu de cette nouvelle ligne, qu'il soit au centre, donc on va utiliser justify la classe justify. Content Center Voilà Après une nouvelle colonne De qui occupe euh, si euh, Une nouvelle euh, un, un nouvel, On va intégrer un nouvel élément qui va occuper six colonnes Pour les écrans large et, large et extra large LG 6 Après nous aurons besoin d'intégrer un titre, un titre H2, got a question, avez-vous une question et un sous-titre, un petit paragraphe. Stay tuned. Euh, le contenu, je veux qu'il soit aussi au centre, donc on va utiliser text center et la couleur text. Secondary et j'enregistre, et comme vous voyez, got a question. Stay tuned. Après, je vais insérer le formulaire juste après. Et juste après cette div là, je vais insérer notre formulaire. C'est la balise form, comme vous le savez. J'ai pas besoin d'action. Euh, je vais utiliser la classe euh, TextMuted, juste pour changer la couleur du texte. Et j'aurai besoin de créer trois form group. Donc, je vais vous montrer comment faire. Form group, un label, nom, ici name. Après, un input de type texte. Après, je vais lui appliquer la classe FormControl que nous avons déjà vue. FormControl. Et pour lier... Le label à l'input, on va utiliser un ID qui est le même que FOR. Name, name. J'enregistre. Donc, si je clique ici sur Name, la zone de saisie gagne le focus. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais tout simplement dupliquer ce Form Group pour l'email et pour le message et c'est email 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 mm messenger message message, message. l'input ici de type password ah pardon email et ici, nous aurons besoin d'un text area. Donc, je dois venir ici et fermer la balise. J'enregistre. Je dois supprimer ça. Et voilà, le problème est résolu. Donc, je vais augmenter un petit peu. Euh, la hauteur de ce texte area. Rose. Je vais faire 5. J'enregistre. Voilà. Magnifique. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais ajouter un bouton ici en bas qui va prendre toute la largeur de mon élément. Donc l'élément qui occupe, bien sûr, l'ici colonne. Donc je vais revenir ici. Button. Donc je vais utiliser la classe bootstrap btn. btn warning. Le bouton il est de type submit. Type submit. Et le texte sub. Met question. Je vais enregistrer. Voyons c'est quoi le problème? Btn, btn warning. J'enregistre. Voilà, donc pour qu'il occupe toute la largeur qui lui est réservée. Donc ici je vais venir ici ajouter une autre classe. Btn bloc btn. Bloc et j'enregistre, et voilà, c'est magnifique. C'est impeccable. Vous pouvez par exemple, au lieu de BTN, BTN outline warning pour avoir un autre effet. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, je préfère un peu plus sans outline je pense que c'est beaucoup mieux mais c'est à vous de voir la liaison aussi marche très très bien je vais essayer de réduire la taille de mon navigateur pour voir pour les écrans medium et les écrans small je vais régler ce problème comme vous voyez ça occupe presque toute la largeur de la page chose que je n'apprécie pas vraiment beaucoup. Donc je vais venir ici. Donc pour les écrans euh, medium, je vais avoir 8 et pour les écrans small, SM, je vais faire 10. J'enregistre. Voilà pour les écrans large, extra large, pour les écrans medium Pour les écrans small et pour les écrans les écrans, les écrans extra small, ça va apparaître comme ça. Donc, euh, voilà, voilà. Donc, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé, si vous l'avez bien compris. Euh, aussi, pour la prochaine formation. Je vous ai déjà posé une question lors de la dernière vidéo. Si vous êtes intéressé par une formation Bootstrap euh, Ionic 4 avec Firebase, on va développer une application de A à Z. Si vous êtes intéressé, merci de m'écrire dans les commentaires. Comme ça, euh, je peux savoir si on peut faire cette formation ou vous avez d'autres propositions pour d'autres formations. Merci à la prochaine vidéo. Bye bye.